Mangez votre soupe. Des veaux sont morts pour ces fantaisies. Le chemin de fer du pays des merveilles est charmant mais inefficace. Il n'est que bruit, brume et longs limaçons. Mieux vaut oublier ce train. Une simili-tortue s'en occupe ? Oh non, ça ne fonctionnera jamais. Chapelier n'a jamais supporté les défaillances. Cette catastrophe est soit son chef-d'œuvre, soit une épitaphe.
Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre monsieur Crook? Mort, calciné. Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées. Mais monsieur Dickens avait raison. Le chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal ? T'amuses bien, Lydell? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lydell, c'est quand. Bah, tiens bon, et comme on dit, et toi? Bien sûr, facile à dire. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées.